Hey yo les gens, on se retrouve pour cet épisode numéro 12 sur Disney Dinosaur. Donc après avoir découvert la Terre des Nids, eh ben il faut prévenir la Horde. Parce que sinon ils ont un gros blême. J'ai parlé trop vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le passage par lequel nous entrions. Ils ne parviendront jamais à le franchir. Aladar, attends, attends! Kron va te tuer sur place! Qui l'essaie? Qui le sait? Voilà, donc le passage est bloqué. Voilà, en coupant le flanc de montagne, tu prendras la horde à temps. Donc on va couper. Et encore une fois, ça nous évoque du vent. Donc on va entendre des putains de grésillements. Enfin, semblant de grésillements. Et je vais devoir baisser le son du jeu parce que sinon ça va vous agacer les oreilles. Donc, allez. Bon, rien de bien compliqué en ce début de niveau. Ouais, c'est parce que je pensais. Il y a un objet bonus. Hop, désolé, le Carnator. Oh putain, Pourquoi pas lui. toi, moi? Pourquoi toi? Parce qu'il faut que tu XP, sinon tu vas être chiant. Faudra un peu monter tes PV, toi. Voilà. Hop, mort. Alors, ah, des fruits encore. Hop. Je vais jeter un coup d'œil. Je me souviens de ce passage. Exact. Oh oui, tu te souviens. Alors, ici, ouais, juste toi, ce caillou. Est-ce qu'il y a là-haut? Voilà qui devrait me réussir. Vous avez vu ça? Hop. Que puis-je faire pour toi? On va prendre Flya, sinon. Allez. Ready. Revois le Carnator, dépêche-toi, Aladar. Eh oui, ce connard a fait le tour. Le but, ben c'est de semer. Oula et tout. Oh la chatte. Oh la chatte que j'ai eue. Carnator ne peut plus t'atteindre. Ouais. Quelle chance! Oh merde, je vais me tromper de touche. Ah, quoique. Ça l'avait pas touché la première fois. J'ai pas eu de bol, Quelle j'aurais chance! pu le tuer du. Avec mon erreur, tant pis, j'ai gaspillé un machin. Ah, c'est ballot. Allez, viens ici, toi. Allez. Au boulot. Merde. Voilà. Oh putain, j'ai Qu'est-ce eu qui se chaud. passe? J'avais carrément zappé que c'était maintenant, je crois que c'était après. Putain, il est sûr que c'est ce passage qu'ils doivent prendre la horde, non? Parce que je trouve que leur passage à eux, il était moins éprouvant. Bon, allez, plus qu'un truc à faire s'écrouler là-haut, je crois. Ouais, ça doit être là-haut. Exact. Hop là. On va retourner auprès d'Aladar.
On va aller chercher là-haut les cailloux. Par là. D'accord. Là-bas, il n'y avait rien, je crois. Ouais, ben, je crois que c'est bon. On peut y aller. Alors là, ça va être une partie un peu chiante. Au niveau des ennemis. Passer par en bas, je crois qu'il y a moins de monde. Ou non, je sais plus. Mais il y a peut-être. Ouais, non, ben, c'est que des lézards. Ah, par contre, toi, on veut pas être compo. Toi, on veut pas être copain. Viens ici, toi. Je t'ai vu. Merde. Hop. Aïe, oh merde. Bon, bah, je crois que je vais prendre Zini pour le tuer, lui. Oh putain. Vas-y, bon, bah, il se barre. Il se barre. Et il m'attaque en fourbe, ce connard. En fourbe. Que puis-je faire pour toi? Enfin, en traître plutôt. C'est un fourbe. Il attaque en traître. Hop. Voilà. Il y a des trucs. Quelle chance! Pas très intéressant. Ok. Limite. Bon, bah, dans ce cas, on va. XPZini. Tant qu'à faire. De toute façon, il risque rien, je pense. Tant que je reste à l'écart du piaf. Il devait être facile à esquiver. Aïe. Si je fonce dedans aussi, ça va pas le faire. Allez, il reste un ou deux cailloux là. Voilà. Lui, il est mort, il me fera plus chier. C'est parti. Par Qu'est-ce qui contre, se là, passe? il y a l'Albertosaur qui va me faire chier, je sens. On va essayer de le contourner. Non, il nous voit. Bon, bah, tiens, prends ça dès le début. Hop, meurs, meurs, meurs. Tant pis pour les cailloux, hein. Allez, on y va. Oh non. Qui dit carcasse dit Dryptosaur. Elle, voilà. Voilà. Tu vas pas me faire chier. C'est sans doute ceux qui me font le plus chier. Putain. Va mourir. Mais va mourir. Putain, pas possible celui-là. Je ne fais que passer. Ah non, pas ce passage. Ça me saoulait. Bon. Ce serait une mauvaise idée de l'attaquer avec Flya. Est-ce qu'on tente avec Zini ou Aladar? Avec Zini, ça devrait être possible. Parfait, bouge plus. Vas-y, laisse-toi crever. C'est mon tour. Que puis-je faire pour toi? Bon ben. Achève-le. Voilà. Au moins, ça fera aussi d'XP pour. Allez, c'est parti, ça va être chiant. Ça commence bien, putain. Sauter, est-ce que tu sais sauter? Allez. Vas-y.
On va d'abord se placer là-bas avec Aladar. Comme ça, on est prêt à y aller direct. De toute façon, après, c'est la fin. Ouais. Une seconde, j'ai encore marché sur un rocher. Ouais, enfin, ton rocher, ouais. Hop. Putain. Voilà, c'est ça qui est chiant. Ils ont pas pu faire un truc tout droit, non, il faut que ça tourne. Mais avec le problème des textures, c'est chiant. Parce que sur la plateforme, il n'y a que trois petits points. 3 pixels. Enfin, j'exagère. Hein, où vous réussirez à sauter de l'autre côté. Hein. Le reste, c'est... Radios. Regardez-moi ça. Il a fait un saut latéral. Il a sauté sur le côté. Il a fait des passes chassées. C'est tellement débile. Putain, j'ai utilisé tous mes cristaux. Putain, si je fais un game over le premier du jeu là-dedans, je pète un câble. De toute façon, c'est ce qui va arriver parce que ce passage. Ça y est, il est passé. On prend des. Non! Je voulais juste prendre de l'élan! De l'élan! Putain! Calme-toi. Non mais les gens ont de l'élan quoi. Allez, on recommence. Pas d'élan cette fois, on y va cash. Voilà, ça passe. Mais pourquoi t'as pas sauté? Pourquoi t'as pas sauté ce putain de caillou? Putain 4. Il me reste 5 essais quoi. Rah. Pourquoi tu t'es redirigé? Pourquoi? Putain, c'est le passage chiant de ce jeu. Je croyais que les Carnators allaient être pires, mais non. Putain. Ah, le passage, hein. Ce passage sera plus sûr pour la Horde. Mon cul, oui. C'est le passage qui t'emmerde. Plus tu rapparas à Tatooine. Enfin encore que c'est pas non plus trop loin. Mais bordel, pouvait pas nous faire apparaître avant. Au lieu de nous foutre deux Desryptosaures à la suite là. Et putain, mais qui a eu l'idée de ce passage quoi? Alors on veut mettre des cailloux anormalement carrés. Enfin anormalement un peu. Putain, j'y étais. Le mec qui a fait ce passage a fumé. Il s'est dit, bon, on va faire des rochers qui sortent du sol, ça aura l'air naturel, totalement naturel. C'est bien le seul truc du jeu qui est pas naturel, je crois. Le jour où vous verrez un canyon avec des cailloux comme ça... Putain... Je sens le game over, il arrive là. Pas possible autrement. Putain, y a pas un autre moyen. Putain, y a pas un. On peut même pas glitcher, genre monter sur la falaise dans le décor, non, rien. Le seul passage qu'ils ont... Bon, je vous fous un accéléré.
encore marché sur un Re rocher. les gens, j'espère que vous avez apprécié cet accéléré avec une musique très très douce. Et putain, cette fois j'y arrive du premier coup. Abusé ici quoi. Vous voyez, c'est tout ou rien. Il suffit de rager pour réussir cet endroit quoi. C'est même pas grimper des lianes alors. Voilà, donc. Au moins vous avez vu un des deux écrans de Game Over. Hein. Avec les Raptors. Hein. Le deuxième c'est avec les Carnators. Hein. Rien de plus. Voilà. Pas très. C'est parti. Voilà, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va enfin pouvoir finir ce niveau. En espérant que vous avez apprécié l'accéléré. Parce que à la base l'accéléré il était prévu pour l'épisode des Carnators, mais comme je suis pas trop fail, je l'ai gardé pour plus tard. On sait jamais, hein. Allez hop, fin du niveau. Et voilà. Kron a remarqué qu'il y avait un petit problème, mais voilà, c'est tout. Donc on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode numéro 13, et donc la mission 12. Puisque hein, le premier niveau c'était mission 0. Donc la mission 12, et c'est bientôt la fin de ce let's play malheureusement. Ou heureusement, bref. Allez, à la prochaine.